Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre. Aujourd'hui, je suis à la grande halle de la Villette pour aller voir Castellucci, La Vita Nuova, dans le cadre du festival d'automne. On va être dans un parking avec des frères, des chants rituels, des voitures renversées, bref, plein de choses. À tout de suite. Je suis en train de me demander depuis combien de temps j'ai pas vu un Castellucci. C'est quand même pas Oedipus le dernier. Un petit passage à vide là sur Castellucci. Donc on rentre dans l'exercice pas simple d'analyser un Castellucci à chaud juste après la pièce. Ah oui, alors c'était Democracy in America que j'avais vu en dernier en fait. C'était à la MC93 et vous ne trouverez pas de vidéo de ce spectacle sur ma chaîne parce que tout simplement elle a été censurée par le photographe du spectacle. J'avais mis une photo du spectacle en miniature et plutôt que de me demander de la changer parce qu'apparemment n'avait pas les droits, même si la photo a été utilisée dans toute la presse ailleurs. En tout cas, pour moi, ça passait pas et mon contenu était signalé à YouTube et ma vidéo était tout simplement supprimée et mon compte menacé de fermeture. Parfois, on aimerait que les gens dialoguent, tout simplement. Bref, parlons de la Vita Nuova. Alors déjà, on est sur une petite estrade. On rentre dans un espace qui ressemble à l'espace d'un parking avec beaucoup de voitures qui sont bâchées, pas mal de brume, des traces de pneus au sol et on est debout, quoi. On est vraiment dans une position d'attente, un truc un peu voyeur finalement, et à la fois aussi très solennel, très liturgique, très cérémonial. Et puis, il y a du son qui commence à se créer, des sons de nature qui viennent aussi parfois rencontrer des sons beaucoup plus urbains. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une sorte d'étrangéification du réel par la cohabitation de deux réalités en même temps. C'est-à-dire qu'on va avoir 5 qui sont habillés à la fois comme des prêtres, à la fois comme des bergers. Ils ont des attributs qui font penser aux deux. On va avoir ce champ de voiture bâché en blanc qui d'un coup se met à bêler, par moments klaxonne. Et c'est ça en fait quand je dis que ça fait cohabiter plusieurs réalités. C'est que d'un coup il y a une sorte d'abolition de la primauté du visuel. Enfin, c'est comme ça dans nos cultures et nos sociétés. Les sens ne sont pas égaux et la vue et prime par-dessus tous les autres sens. Et là, et c'est un peu l'enjeu du théâtre à la base, c'est que ce qu'on voit n'est pas forcément réel et ce qu'on voit va être déformé et accepté comme une chose différente juste par le son. Donc on accepte totalement d'être dans un espace de nature alors même que ce sont des voitures. Et finalement dans cette performance, il y a quelque chose d'extrêmement théâtral puisque ça retravaille ce sur quoi est fondé le théâtre, c'est-à-dire accepter que ce qu'on voit représente le réel mais n'est pas le réel et le représente par différents moyens, le son, l'image, l'odeur éventuellement. Il y a un peu d'odorama d'ailleurs dans ce spectacle. Et la question de l'art, la question de l'artiste, elle est très présente. Elle est très présente aussi dans le poème de Claudia Castellucci. La question de l'artiste qui exerce son métier, de l'artiste qui ne l'exerce pas. Dans ce texte, on a un peu à charge, un peu virulent, un peu facile peut-être, mais en même temps, c'est intéressant de dire les choses comme ça, un peu abrupt. Elle dit clairement que tous les gens qui vont voir des expos d'art contemporain sont des artistes qui n'arrivent pas à exposer eux-mêmes. Ce n'est pas totalement faux non plus. Et puis elle différencie l'artiste, le geste artistique de renverser une voiture, puis le geste de l'artisan qui renverse une voiture parce qu'il n'arrive pas à vivre de son art. Là, on est en plein dans les gilets jaunes. Et puis également, toute la question de la reproduction de l'œuvre. Est-ce qu'une œuvre est reproductible? Est-ce que du coup, un artisan, c'est la définition de l'art normalement, hein, c'est ce qui différencie l'artisan et l'art, c'est que l'artisan reproduit et l'artiste crée. J'ai grave envie de voir ça féminine. Mais 27 novembre, 7 décembre, je suis pas sûr. De Pauline Buron. Voilà, c'était La Vita Nuova de Romeo Castellucci, place d'Italie, ce bar-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à donner des petits pouces en l'air. Et nous on se dit à bientôt au théâtre.